Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire une guidance générale pour les signes du Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau et toutes les planètes qui se trouvent en Verseau pour l'année 2019, mois par mois. En sachant que ceci est un thème général qui peut vous parler ou pas, cela ne change pas le fait que si vous voulez des choses précises, il faut aller voir soit un astrologue, il vous munir de votre heure, de votre date de naissance ainsi que du lieu de naissance et elle vous fera ce qu'on appelle un prévisionnel sur 6 mois, ou alors me prendre rendez-vous en privé, voir ce qui vous attend sur 2019. Ceci n'est que général, c'est intuitif en plus, hein, donc ça a un lien avec votre signe, mais c'est certainement pas lié à l'astrologie. Donc, d'où le fait que je parle bien de thème général. Nous allons donc voir ensemble tout de suite ce qui vous attend pour vous, signe du Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour cela, j'ai commencé par un tirage général pour voir un petit peu les énergies qui vont se préparer pour vous. Alors, écoutez, a priori, j'ai beaucoup d'échanges, également beaucoup de sexualité. Donc, pour vous qui êtes célibataire, par exemple, eh bien, ça annonce effectivement une possibilité de vie sexuelle possible. Également, d'échanges et de communication. Quelques soucis de santé possibles également. Donc, attention à vous, hein, liés à peut-être à quelques soucis liés au domaine sanguin, pardon, au domaine sanguin ou à autre... Faites des prises de sang, c'est ce qu'on me dit, faites des prises de sang, n'hésitez pas à faire un bilan. Et on me parle également du domaine financier qui sera là. Donc, peut-être aussi attention à votre domaine financier, puisque bon, ça peut effectivement parler de quelques soucis là-dessus. Voilà, donc ça peut également parler de rencontres pour ceux qui sont célibataires avec quelqu'un peut-être qui travaille dans l'aide, que ce soit un médecin, que ce soit un pharmacien, que ce soit quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, ou alors un thérapeute holistique, kinésiologue ou un hypnopraticien. Enfin voilà, ça peut être quelqu'un qui travaille dans les énergies aussi ou quelqu'un qui travaille avec l'aide des autres, voilà. Donc, une année plutôt chargée, je dirais. Hein. J'ai cette sensation d'une année assez chargée pour vous, autant, on va dire, au niveau des sous qu'au niveau des rencontres, qu'au niveau des échanges. Donc, déjà, pas mal. Alors, on va déjà tout de suite voir le mois de janvier. Donc, j'ai utilisé le Divinora pour avoir des maisons. Les maisons vont vous permettre d'avoir un ensemble général. Hein. C'est une vue générale, ça n'a pas plus d'informations que ça. C'est juste pour que voilà, vous sachiez que effectivement, ça va peut-être travailler là-dessus. Alors, janvier 2019, maison 2. Donc, la maison 2, elle travaille sur le domaine de l'argent, des acquisitions, de la banque et de la gestion. Donc, maison 2. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? Alors, il est possible que vous ayez, donc je vous l'annonce, hein, un décès familial peut-être pour certains. Si ce n'est pas familial, c'est-à-dire si ce n'est pas un décès dans le sens de la mort physique de quelqu'un, ça peut être la fin d'une situation. La fin d'une situation qui perdure et donc quelque chose qui vous permet de vous conforter dans ce que vous étiez, c'est-à-dire à un moment donné où vous pouvez enfin souffler. Moi, c'est vraiment le côté. Donc, on met fin à une situation, on souffle enfin. Et c'est ce qui vous a vous enrichir. Alors, pas enrichir peut-être financièrement parlant, sauf si vous êtes en procès et que c'est un divorce et que vous attendez effectivement des sous-sous par rapport à la vente d'une maison ou un partage de biens ou procès, autre chose, hein, une association qui ferme, une société qui sent enfin qui ferme, que vous devez retrouver des royalties, eh bien c'est possible aussi, comme un licenciement, une rupture conventionnelle, tout ça c'est faisable. Voilà. Et qu'est-ce qu'on m'annonce pour vous? On me dit, la lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-moi et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer, donc sur le mois de janvier. Et j'ai également la couleur bleuet. Je me réserve du temps pour me poser, me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc, vous voyez, je sens quelque chose qui s'est stoppé, qui s'est arrêté, quelle que soit la situation que vous vivez, que ce soit familiale, sentimentale ou professionnelle. Et un besoin de reprendre un second souffle, vous savez, comme si effectivement vous aviez besoin de vous poser afin de redémarrer. Parce qu'un décès, c'est aussi un redémarrage. Février 2019, maison 9, on me parle d'étrangers, de grands voyages,
d'évolution spirituelle, d'université. Bon, bah, écoutez, hein, d'études donc. Alors, on me parle d'une naissance possible pour certains, d'un déménagement, de la jalousie. Attention. Alors, si c'est une naissance et que vous attendez un enfant, on me parle peut-être de la possibilité d'avoir une fille. C'est cool ça d'avoir une fille. C'est cool. Donc voilà, hein, la naissance possible par rapport à une fille, tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la protection, héritage ou partage, lettre diffusion route. Donc, vous voyez, peut-être effectivement, suite à ce qui s'est passé là, il y a peut-être des sous-sous qui vont rentrer. Donc, peut-être malheureusement à cause d'un décès, donc un héritage, ou par exemple par rapport à une somme qui vous est due et qui va rentrer. Et là, on a les sentiments partagés, l'accord sur des démarches et des signatures. Donc, vous voyez, peut-être un divorce, peut-être un mariage, peut-être des actes notariés, peut-être une acquisition de biens. Voilà, un mois de février haut en couleur. L'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie, de t'y reconnecter, quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc, voyez, un début de mois en demi-teinte, ami Verseau, hein, j'ai vraiment cette sensation. Et avec la couleur rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc, voilà, c'est comme si effectivement il y avait des choses qui étaient en train de changer. Voilà, on est dans une mutation, on va dire. On a là, donc, janvier, février, mars, maison 4, maison 4. La maison 4, elle me parle de quoi, la maison 4? La maison 4 me parle du foyer, du patrimoine, de la père pour un homme, de la mère pour une femme, de la famille. Alors, on y va. Alors, il y a du changement dans l'air au mois de mars. Gros, gros changement. Voilà, on passe de l'ombre à la lumière. Également au niveau de la santé, attention à votre santé. Tiens, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans le tirage général. Et attention aux disputes. Donc, un début d'année en demi-teinte hein, pour vous, amis Verseau. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être pour une partie. On a la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te feront d'une grande aide. Alors, toutes ces disputes, tous ces problèmes de santé peuvent être liés autant au travail qu'au domaine sentimental. Hein. Et s'il n'y a rien de tout ça, ça peut être familial et ça peut être par rapport à vous. Toujours pareil. Grenat, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Vous voyez, comme quoi on vous prépare quand même à du changement, à quelque chose qui va bouger. Alors, avril 2019, j'ai la maison 5 pour vous. Alors, la maison 5 me parle de quoi, cette maison 5? Elle me parle d'enfants, de création artistique, d'amour, de sport, de jeux de hasard. C'est le moment où jamais de jouer, comme on dit. Alors, on a des décisions à prendre par rapport toujours, ben disons, à des disputes, à des choses qu'on essaie de vous voler, de vous piquer, de grignoter. Ouh là là, alors ça peut être toujours pareil, hein, autant dans le boulot que dans le domaine personnel. Si vous divorcez, si vous changez, s'il y a un problème dans le boulot, etc. Attention, attention, je ne le sens pas très bien en début d'année. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Je suis une Valkyrie, une guerrière. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous batailler. Avec le jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités. J'en tiens compte dans les décisions que je prends. Et ouais, peut-être un boulot qui vous permet plus d'avancer comme vous souhaitez et qui vous fait plus de mal et de bien et peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, maison 10 pour le mois de mai. Maison 10. Alors, la maison 10, elle me parle de quoi, la maison 10? Maison 10, elle me parle d'honneur, de pouvoir, de carrière, de succès, de la mère pour un homme, du père pour une femme, donc encore de la famille. Ah, bah écoutez, après une période d'infortune, ça y est, ça se réveille. Oh là là là, tout me tombe sur le dos. Enfin, je prends conscience qu'il fallait que j'en passe par là. Voilà. Pourquoi? Pour trouver le plein bonheur. Voilà, il faut attendre mai. Mais pour comprendre le pourquoi de tout ce début d'année un petit peu en grisaille ou en demi-mesure. Donc, les choix seront actés, les choix seront faits, ils auront été nécessaires à faire pour justement pouvoir avancer. Donc, c'est pas pour rien tout ça. Il
C'est sûrement pour une raison bien particulière et vous allez le comprendre plutôt sur le mois de mai. Alors, on me dit la reine Maëve, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Respectez les autres, respectez-vous. Avec la couleur orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc, je suis vraiment dans quelque chose où j'acte et j'avance. Alors, juin, maison 3. Maison 3 sur le juin. Alors, la maison 3, c'est le mouvement, l'intelligence, frères et sœurs, entourage, petit voyage, voisin. Alors, eh bien là, on va vous demander de prendre du repos. Hein, de prendre du repos, sûrement parce que vous avez réussi un examen, donc quelque chose effectivement pour certains au mois de juin, oui, les examens parlent bien, pour d'autres peut-être la passation de quelque chose par rapport au commerce, donc par rapport à des échanges, peut-être, alors moi j'aurais tendance à dire c'est tout ce qui s'est passé avant, voyez, des échanges, le fait de voir peut-être pour certains être en procès, de divorce, de licenciement, de des choses comme ça, hein, des choses qui ne vont pas être agréables, hein. Alors pas pour tout le monde bien entendu, hein, mais pour certains d'entre vous, eh bien, vous aurez besoin effectivement de récupérer au mois de juin parce que ce sera enfin terminé. Alors, avec Viviane, on vous dit, mon épée insuffle la sagesse et le courage, elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Hein. Donc, on est bien là-dessus. Hein. Ça y est, c'est enfin terminé, c'est passé. Et avec la couleur terre, on est, l'univers prend soin de moi, et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc, c'est parce que c'était nécessaire, tout ce chamboulement était nécessaire. Alors, on est en juillet. Juillet, maison 11. Maison 11. Alors, la maison 11, elle parle de quoi, la maison 11? Elle parle d'amis, de projets, de publicité, de désir. Alors, on a quoi? On a quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inattendu qui se termine. Ou alors, toujours pareil, ça peut être effectivement, malheureusement, quelqu'un qui peut décéder dans votre famille. Hein. Voilà, c'est possible. Quelque chose qui n'était pas prévu. Ça peut être aussi une perte d'argent qui n'était pas prévue non plus. Donc, vous voyez, un mois de juillet en demi-teinte. Désolée pour mon chat qui s'exprime. On a le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous également de devoir prendre du temps pour vous parce que ça va être un petit peu compliqué. On me dit quoi? Lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Besoin de repos. Pour le mois de juillet 2019. Pour le mois d'août, nous sommes en maison 6. La maison 6 me parle de quoi? Elle me parle de travail, de santé, de quotidien, donc les dents de petits animaux domestiques. Désolée toujours pour mon chat. Encore la fatalité. Eh ben, décidément, milieu de mois compliqué. Hein. Quelque chose qui tourne en boucle depuis longtemps. Peut-être quelque chose que vous auriez dû acter depuis longtemps que vous n'avez pas fait. Et on me dit bien qu'il va falloir passer à l'action. Donc peut-être que vous attendez quelque chose depuis perpète les oubliettes et que vous avez repoussé, repoussé. Et là, on me dit, bah oui, mais il ne faut plus repousser, il faut passer à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, bah, vous allez continuer à remuer des choses qui ne sont pas agréables et ça ne sert à rien puisque le but du jeu est quand même d'avancer dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne comme chose? La fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc, il faut bien acter, hein, on est bien d'accord, pour passer le tumulte. Et la couleur or, je cultive mon indigence et je la mets au service de nobles causes. Donc, je réfléchis bien. Alors, septembre, la rentrée, on menace quoi? On annonce maison 8 pour la rentrée. Alors, la maison 8 pour la rentrée, on me parle de mort, sexualité, héritage, décidément, invisible, transformation. Beaucoup de choses qui changent hein, pour vous, ami Verseau. Hein. La mort est aussi une transformation. Hein. Alors, eh bien, écoutez, quelques mésententes, quelques disputes, a priori, en ce mois de septembre, par rapport à la famille. Mais également par rapport au couple. Bon, bah, va falloir mettre de l'eau dans le gaz. Hein. C'est, voilà, il faut vraiment mettre de l'eau dans le vin, pardon, excuse-moi. Non, non, n'aggravez pas les choses. Mettez vraiment de l'eau dans votre vin. La tempestère, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers.
Voilà, donc allez, on courage encore. C'est une année très mouvementée. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Ça, c'est pour septembre. Octobre 2019, maison 12. Alors, la maison 12, on travaille sur quoi? On travaille sur des choses cachées, des préparations, des épreuves, des inimitiés. D'accord. Allez, on continue. On me dit quoi? Ah, on me dit quoi? Il y a danger. Ben, décidément, il y a danger parce que vous êtes en train de vous replier sur vous-même. Et c'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir quand même être sagesse par rapport à la situation que vous vivrez sur la fin d'année 2019. Une année mouvementée, hein, c'est beau là, beaucoup de changements, hein, beaucoup de choses. Ça peut être autant dans le travail, dans le sentimental, c'est ouh. À chaque fois, on dirait que au moment où vous pensez être reposé, pof, il y a encore un truc qui arrive. Alors, la fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver, laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Oui, il va falloir prendre du temps un petit peu pour vous, ça c'est important. Jasmin, j'adore le thé au jasmin, tiens, ça c'est un truc, j'adore. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en vie. Oui, il ne faut pas vous dire que c'est fini, c'est-à-dire oui, ça va être secouant, mais n'oubliez pas, vous êtes l'acteur de votre vie. Comme vous le savez pour certains, vous allez pouvoir prendre les choses en main. Novembre 2019, maison 7. Maison 7. Alors, la maison 7, on est dans quoi? On est dans le mariage, dans l'association, dans les contrats, dans les procès, dans les grands-parents. Alors, eh bien, je ressens quand même un côté, je tourne en rond. Tournicotis, tournicotage, je tourne en rond, je ne sais pas trop où je vais, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Je me sens un petit peu isolée, je m'éloigne un petit peu tout parce que je ne comprends pas. Donc, et on me dit parce que vous avez besoin de repos. Reposez-vous après cette année très chaotique, entre guillemets, où effectivement il faudra faire preuve vraiment de beaucoup de courage, parce qu'effectivement elle sera très mouvementée. Mais on me dit que vous aurez peut-être des invitations à sortir, peut-être quelque chose qui vous fera du bien, et il faudra vraiment l'accepter à ce moment-là parce que ça vous permettra de vous sortir de votre isolement. Avec la fée de l'automne, on dit c'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc en fait, je pense que c'est une année où vous allez apprendre et comprendre des choses. Et avec le ver prêt, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc j'ai vraiment compris que vous aurez besoin vraiment de vous reposer en cette fin d'année 2019. Et enfin, la dernière, la maison 1 fait partie du consultant. Là, ça parle que de vous, donc fin décembre 2019. Et on me dit quoi? Ben, on me dit de faire attention à certaines personnes malhonnêtes avec vous. Donc toujours personne, ou faire preuve effectivement d'un petit peu de côté rusé pour pouvoir se sortir d'une solution. On me parle également avec les poissons d'argent, en fait. Voilà, d'argent, de ressources, de finances, de marché potentiel. Donc attention de ne pas perdre d'argent, j'aurais tendance à dire. Et avec la carte 21. Attention, il y a quelques obstacles, quelques déviations. Donc attention à votre argent en cette fin d'année. Peut-être qu'il y a des choses qui ne s'acteront pas et qui ne rentreront pas là, qui étaient prévues. La vouivre. Alors, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont les véritables trésors? Donc attention, ce n'est pas peut-être que le financier, c'est peut-être votre famille. Et avec l'argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc je ressens pour vous, ami Verseau, on va dire une année assez conflictuelle. Donc je dirais que si vous êtes bien préparé, je pense que vous pouvez vous en sortir. Maintenant, il faut bien vous préparer. Alors, qu'est-ce qu'on nous attend? Ben voilà, regardez, osez être heureux. Je pense que c'est ça, c'est que je pense que parfois vous vous posez trop de questions, vous ressassez trop de choses, vous êtes peut-être même des fois trop prudent. Regardez ce qu'on dit, lâchez prise, des choses doivent être faites, n'essayez pas de comprendre, n'essayez pas, c'est que ça doit être ainsi. Et puis on me dit que de surtout pas oublier que vous avez des idées illimitées, parce que vous êtes des êtres illimités, hein. Votre esprit ne fait qu'un qu'avec l'esprit d'infini de Dieu, cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apportent des bienfaits.
Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir sur l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc moi, j'ai envie de vous dire que si vous souhaitez cette année 2019, malgré les turpitudes, pourrait vous permettre de pouvoir réaliser certaines choses. Et c'est à vous de les acter. Donc peut-être éviter de rester dans ce mutisme et plutôt d'aller de l'avant. Voilà, amis Verseau, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bon courage et à bientôt. Au revoir.